Bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, un petit tuto sur comment nettoyer son blaireau et son rasoir de sécurité bien comme il faut. Allez, c'est parti. Voilà, alors mon blaireau est bien sale. Mon rasoir est bien sale aussi. Alors je vais vous montrer comment nettoyer tout ça. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, pour le blaireau, il faut tout simplement déjà le rincer. Voilà, le rincer bien comme il faut. Eau chaude, eau tiède. Et moi, avec ma main, ce que je fais, c'est que je tourne comme ça. En frottant le blaireau dessus, pour enlever les excès de savon. J'essore un petit peu aussi pour bien faire tout tomber. Une fois que le blaireau est bien rincé, moi je prends un bol, simplement je le remplis d'eau. Voilà. Et ce que je fais avec mon blaireau, je le trempe tout simplement dedans comme ça, en appuyant vers le fond, pour faire évacuer les dernières gouttes de savon qui reste. Voilà. Voilà, comme ça. Je rince un petit peu. Je me refais le bol d'eau. Et je recommence. Vous faites cette opération-là deux fois. Et ça suffit largement pour nettoyer le blaireau. Après, sous l'eau froide, ce que je fais, c'est que moi, je rince bien comme il faut, surtout au niveau de la colle où il y a les poils qui sont tenus, pour redurcir un peu la colle du blaireau pour éviter que les poils se cassent trop facilement. Comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà, alors avec le blaireau, moi ce que je fais ensuite, tout simplement une fois qu'il a bien été nettoyé, je l'écoute bien. Et ensuite, tout simplement, je prends un linge, je prends mon blaireau, je le mets à l'envers et je les sors bien dans le linge comme ça pendant allez, une ou deux minutes à peu près. En même temps, j'essuie le pommeau, tu vois, pour qu'il soit bien, bien sec. Voilà, bien essoré, hein, pas hésiter. Ça. Voilà. Et ensuite, une fois que je l'ai essoré, tout simplement, je prends toujours le même linge et je frotte le blaireau dessus pour enlever les dernières gouttes d'eau qu'il y a dedans, le dernier peu d'eau qu'il y a dedans, bien comme il faut. Voilà. Bon, très léger, hein, pas besoin d'appuyer très fort, on passe juste dessus. Et une fois que c'est fait, simplement, ça, ce qui est encore de l'eau au niveau de la colle, comme ça, ce que vous faites, vous prenez un support à blaireau, vous le mettez, le blaireau, comme ceci, et vous laissez sécher le blaireau. Vous le laissez jusqu'à la prochaine utilisation. Voilà. Alors, tout simplement, avec le rasoir, ce qu'il faut faire, c'est démonter le rasoir, enlever le peigne, le manche et la lame. La lame, je ne vais plus l'utiliser, donc je vais l'acheter. Et après, tout simplement, il faut rincer. On va commencer par le capot, le dessus de la tête du rasoir.
tout simplement comme ça. Ensuite, tout simplement, on essuie avec le linge la tête bien comme il faut. Voilà. Entre les interstices aussi, je ne sais pas si on va passer bien le linge entre bien comme il faut. Pour que ça soit bien propre. Voilà, là il est bien. Il est bien net, bien propre. Ensuite, on va s'attaquer au peigne. Pour le peigne, c'est un peu différent. Tout simplement, on va commencer déjà par le rincer. Voilà. Mais en même temps avec le rasage, avec le rinçage, ce qu'il faut faire, c'est qu'on prend une brosse à dents et on frotte dans les interstices. Tout simplement. Comme ça. Comme ceci. Voilà. Pas trop longtemps, hein, ça sert à rien de mettre trop longtemps. Et ensuite, on rince tout simplement. Voilà. Une fois que c'est rincé, nettoyé comme ça. On essuie tout simplement, pareil avec le linge, bien comme il faut, voilà, pour enlever bien toute la mousse, voilà, bien sécher aussi entre les interstices, avec le linge, vraiment là pour enlever vraiment tout, les gouttes d'eau, de savon. Voilà. Vous voyez, le peigne est tout propre. Alors, pour le manche, sincèrement, c'est ce qu'il y a de plus simple. On prend le manche, on le rince. Voilà. Et on essuie. Tout simplement, voilà. Et le manche, il est quasiment propre. Ce qu'il faut, ce que je fais moi aussi, dans le petit trou là, moi je souffle pour enlever les gouttes qui restent, ou on peut tapoter aussi. Moi je fais les deux. Tapoter comme ça, moi je souffle. Voilà, on essuie bien tout partout. Et voilà, le manche, il est tout propre. Maintenant, il ne reste plus qu'à remonter la bête. Donc, tout simplement, prendre le capot, mettre le peigne, revisser. Et une fois qu'il est revissé, prêt, comme ça, fini, remonter. Moi, je l'essuie encore un petit coup pour enlever mes traces de doigts ou, tu vois. Et voilà, là, il est comme neuf. Voilà, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. En tout cas, si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, écrire un petit message si ça te fait plaisir et surtout partager ma vidéo. Salut !